revoilà, toujours dans la merde, pour être poli. Oula, oula, stop. Hop. Prendre quoi, boucher? Non mais Y'a tu vois. ma mail, y'a ma mail. Ma mail, il est rentré. Non, il m'a tué. Il vient de prendre mon step. Ah non, Il il est prend. là? Non, là, fais gaffe, c'est moi là. Non mais ils ont pas compris. On n'a pas caché notre salle des coffres. Du coup, ils sont persuadés que c'est. Coucou! J'ai posé. Ah, y'a Guigou, y'a Guigou! Où? Bah, derrière Il était dans toi. le mur pour moi. Ouais, mais non, mais en fait, il y a Vamel qui était sur le point de me tuer. Alors, du coup, j'ai posé deux blocs juste devant lui. Qu'ils ont gagné Pourquoi? parce qu'il faut qu'ils détruisent le totem et ils sont rendus au totem. Non, c'est pas ça, faut qu'ils trouvent la salle des coffres. Oui, sauf que la salle des coffres, je te signale qu'elle est cachée, qu'on l'a pas encore fait la transaction. Je crois que c'est un bug là. Ah, j'ai récupéré une épée. Oh oui, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Tu l'as eu? Oui. Faut reboucher à gauche, à gauche, faut reboucher le trou, j'ai rebouché le trou. Non, mais on est tous les deux morts. Bah non, en fait, c'est pas toi qui l'as tué, c'est Vamel qui l'a tué. Ah non, t'as eu Vamel. Ah, très bien, ça. C'est parfait. C'est bon, j'ai rebouché. Il reste plus personne? Il y en a plus aucun dans la base? Oh, c'est parfait. On a réussi à tenir le coup alors qu'on avait même pas caché la salle des coffres. Planque la salle des coffres. Quoi? Planque la salle Oui, des coffres. ouais, t'inquiète. Tout de suite. Je vais tout casser. Viens m'aider, par contre, je peux pas tout prendre dans mon inventaire. Ah, moi j'ai le set de Vamel donc. Il a quoi? Il avait pas mal de trucs, je pense. Il a eu une épée en diams. Deux épées en diams, tiens, je t'en file une, viens. Merci, j'arrive. Eh non, j'ai l'armure de Gigo aussi. Mais normal, il a tué Guigou. C'est un peu. Oh, ça c'est parfait. Donne-moi une armure, si t'en as pas, si t'en Ah, as une. si, si, j'en ai plein. C'est parfait ça. C'est ce que j'appelle une attaque ratée. J'en ai filé plein, je savais pas ce que t'as dit. Tu veux des chaussures ou pas? J'en ai déjà. Bongo, faut qu'on fasse la transaction. Et aussi la. Le, je voudrais bien, s'il te plaît, son épée, s'il te plaît. En diams. Ouais. Parce que t'en as deux, c'est ça. Ah, ça c'est parfait. Allez, hop, on y retourne. T'as l'inventaire rempli? Il restait des trucs par terre ou pas? Non, c'est bon, j'ai la stone lisse pour boucher un peu plus. Parfait, parce que. J'ai trois coffres. Je sais pas pourquoi il devait en avoir. Il devait en avoir un sur eux. Voilà la salle des coffres. Ça, par contre, c'est cool ce qu'ils ont fait. Attends, je vais aller chez eux. Et il n'y a plus de torche là, on voit rien. Je sais, c'est le but. Pour pas qu'ils sachent. Mais tu descends et y a un chemin pour venir. Oui, c'est bon. Hop, je remonte. Je vais les surveiller. Je vais les attaquer. Enfin, les attaquer. J'y vais sans stuff. Non, mais reste là, parce qu'au cas où il attaque, donc reste là. Ouais, mais non, mais justement, je vais surveiller. Je vais voir s'ils arrivent. Je vais aller un peu dans leur base parce que, à mon avis, là, vu le stuff qu'ils ont perdu, ils viennent pas tout de suite. Oui, à mon avis, ils vont rager là. Ouais, ils ont fait péter de la TNT en plus, donc je pense qu'ils vont aller farmer un peu de creeper. D'ailleurs, t'as de la TNT. Ils avaient de la TNT sur eux? Non, 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 ils en ont pas. Mince. Ils devaient pas en avoir beaucoup. Tiens, je viens de trouver 43. 43 trucs de bois là. De bois de. Oh, mais. En plus, j'ai perdu mon seau d'eau, moi. Hop. Je rebouche de l'extérieur, moi. J'ai trouvé du sable par terre, du coup, je rebouche avec du sable. C'est cool qu'on a réussi à planquer là. Ouais, qu'on ait réussi à les avoir, c'est très bien. Parfait. Je suis en train de mettre du sable partout, là.
Mais ça va, c'est dans notre base puisque je le place en dessous de la muraille. Et pourquoi il a tué Guigou? Et il a fait une fausse manip. Guigou avait peut-être presque plus de vie, et il a cru que c'était toi ou moi, du coup il l'a tapé. Ah, ah oh, mince, désolé, je casse le bloc que je viens de poser en dehors. Mauvaise manip. Hein. Voilà. Ouais, ils ont pas de bol, franchement. Enfin, tant mieux pour nous, mais ils ont quand même fail. Ouais, j'ai rebouché, j'ai mis un peu de sable. Il y a juste dans le le coin truc que qu'ils avaient fait. Quoi? Ouais. Enfin, pas. J'ai rebouché seulement dans notre base, donc il y a encore un grand trou qui va en bas. Je vais voir si. Ah, on peut pas aller chez eux. Attends, je les vois, j'arrive en sneak. Parce que là, il y a une grotte, donc je me demande si ça mène à leur base. Évite de trop faire des expériences comme ça, parce que. Ouais, mais non, mais je m'en fiche, je suis en. J'ai aucun stuff. Je suis no stuff. Et ils m'ont pas vu. Je crois pas. T'es en sneak? Oui. Je suis dans l'eau en sneak. Je sais, ça doit être ennuyant, mais je suis obligé d'être en sneak. T'as rebouché le trou qu'ils avaient fait? Oui. Putain. Désolé. Non! Oh non! T'as Ça vu? mène pas à leur base, du coup j'ai pris un chemin qui ne menait à rien. Bon, je suis plus en sneak, tant pis, si je meurs, c'est pas grave. Ça ne mène nulle part, ça, de toute façon. Mais ça pourrait être utile, faire péter de la TNT là-dessous. Je crois que ça mène en dessous leur base, donc. Bonjour les gens! Tiens, je vais casser juste au bord de leur base, il y a le droit de faire ça. Non, t'as pas le droit de casser le bloc. Si, j'ai le droit d'en casser. Non, 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 t'as pas le droit de casser le bloc. Mais pas dans leur base, mais juste à côté. Au bord Oui, de leur justement, muraille. t'as pas le droit. Ah, Il si, n'y a pas le si, droit? si, tu peux. Voilà, il y a le droit. Oui. On est d'accord. S'ils croient qu'on a triché, on pourra montrer, on a une vidéo pour le prouver. Attends, je me mets en sneak, pour pas qu'ils me voient. En tout cas, oh purée, ils ont mis combien de TNT pour rentrer? Ils ont dû en mettre une, plus un creeper, parce que j'ai vu un creeper exploser. Par contre, comme j'ai aucun stuff, je suis en train de péter à de la stone. Coucou! Coucou! Ah, si je le tue, par contre, je suis vraiment un boss. Bah non. Tu n'es pas un boss. Je les préviens tout de suite que j'ai cassé au bord de leur muraille, sinon ils vont croire que j'ai triché. Oh non, je vais pas lui dire en fait. Non, ce serait trop facile si je lui disais. Comme ça, il va avoir les boules, ça va être trop marrant. J'ai pas pu m'empêcher d'avoir ce rire pourri. Ah, t'es dans les tranchées ou dans les grottes là? Dans les tranchées. Enfin, non, je suis en train d'essayer. Je vais essayer de réparer. Enfin, de cacher un peu plus ce qu'ils ont fait là. Bah, tu peux pas, hein. Ça va en dehors. Mais on est rendu où là dans la journée? Quoi? Ça fait moins de 5 minutes qu'on tourne. C'est pas possible. Bon, tant pis. Est-ce qu'ils avaient du fer sur eux? Je sais pas. Ah, je pense pas, ils se travaillent pas avec du fer. Bah tu sais, hein. J'ai récupéré des pistons en les tuant. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais avec un peu de chance, ils en ont parce qu'il nous faut juste de l'eau. Un seau d'eau. On en a nous, du fer. Mais on a plus qu'un truc de fer, puisque j'avais fait une armure vu que je pensais pas qu'on aurait la leur. Et oui, ils avaient un seau sur eux. Ouf, la chance. Ils avaient un seau, des pousses d'arbres et 33. Oh, on a plein de flèches aussi. Donc je vais sortir un peu d'eau et comme ça on va pouvoir faire une culture et les derniers objectifs seront faits. Puisqu'on a une armure en métal, on a caché la salle des coffres. Donc je vais aller faire le truc des objectifs juste après. On n'a pas de TNT. On n'a pas de TNT, mais bon, ça, on s'en fiche. Parce que je sais comment rentrer dans leur base. Puisqu'en fait, quand on creuse juste à côté, on tombe dans leur grotte. Et leur grotte, elle mène à leur base. Vu qu'elle est trop aménagée et tout. D'accord. Ah, ça, c'est pratique, il y a de l'eau. Ah, merde, mince. Bon, je vais creuser. Bon. Toi, est-ce que t'es bugué? Oui, toi, t'es bugué. Qui? Un squelette. Un squeletton. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Bon, attends, non, c'est bon, je vais casser le sable.
Ah, par contre, ça fait tout tomber, au pire. Mais après, tu remettras. Oui. Je me suis dit ça, c'est pour ça que j'ai dit bon, au pire. Ah, oh, mais tout ce qu'il faut casser pour rentrer chez nous, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Vas-y, c'est toi qui l'as fait. Hein. T'as même pas besoin de mettre de point d'interrogation. Non, parce que faut éviter de se brouiller avec eux maintenant. Oh, je suis sous notre muraille là. Je vois de la cobble que j'ai mis absolument partout. Attends, t'avais fait une pioche en diamant. Ouais, en ouais, vite. Non, tu lui dis Mais que. Attends, ils avaient pas une pioche en diams? Ah non, 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 j'avais vu une pioche en diams sur lui quand je l'ai attaqué par la grotte. Par contre, on a quelque chose. Donc apparemment, il n'y a pas le droit de faire ce qu'on a fait. Au pire, on n'a pas fait grand-chose. Ils vont pas se mettre à essayer de nous bouffer. Pourquoi je dis ça? Bon, tant pis. Pas de se mettre à essayer de nous bouffer pour si peu. Voilà, super. Attends, je vais aller remplir le tableau. Ouais, parce que là c'est bon aussi, j'ai fait une culture. Donc le tableau est parfait. J'arrive pas à remonter. J'arrive. Parce que de toute façon, faut que je pose un coffre. Faut juste que je leur précise hein, que je suis venu surtout pour mourir, lamentablement. Oups. Voilà. T'es où? J'arrive. Tu vas prendre mon stuff, je vais les mettre. Je suis dans la salle des coffres, moi. Ah bah viens, remonte. Là j'arrive. Non mais si tu veux, je vais aller les poser les torches, moi. Non mais je vais y aller, moi, c'est bon. Je vais y aller sans stuff. Mais attends, bah comme tu veux. Faudra juste que j'y retourne pour filmer un peu comment c'est. Pour qu'ils voient comment c'est, les petits bonhommes. Tiens, attends, je te file stuff. Tiens, mon stuff. Ouais, je... Quant à poser, moi je prépare notre stuff à nous pour aller farmer du creeper. Et cette nuit, on va farmer du creeper, d'accord? Ouais, si tu veux. Comme ça, après, on pourra faire une attaque. Attends, je te file un peu de torches parce que je n'ai pas besoin d'autant. T'en prends deux, hein, ça te suffit. Ouais, non, trois. Trois? Ah attends, bon prends-moi en une. J'en ai donné deux. Comme ça, tu pourras en poser une sur le chemin. Pour montrer que nous sommes passés. T'en avais besoin de combien? De trois. Ah bah je t'en ai donné que deux. Non mais c'est bon, j'en ai quatre. Ah d'accord, donc t'en poseras une sur le chemin. Pour que les gens remarquent. Fais une barrière en bois là. J'en ai fait une. Ah oui, il y a une porte en bois. Désolé pour ce cri. C'est exactement le bon nom. Ah merde. Bon tant pis. Donc on n'a pas besoin. On va pas prendre nos pioches en diams pour aller farmer du creeper. Hein. Non, bah non. On prend juste... Bon, au pire, on prend qu'une épée. Ça nous suffira, non? Ouais. Juste une épée en fer, ça nous suffira pour fermer les creepers. En fer, en cobble. Non, en fer, peut-être. Du fer, ça va, on en a. Pas beaucoup, on en a un truc, mais... Après, on en a plus besoin du tout. Parce qu'on a de l'armure en rab, en plus. Notre ancienne armure qui est toujours là. Attends, tiens la route, cette petite femmelette. Je vais voir l'heure basse, moi j'ai pas encore été. Ok. Bon, y a pas grand chose à faire. Et attends, pose les trucs sur le tableau, comme ça tu peux aller chez eux discrètement en sneak. Pose d'abord les trucs sur le tableau, et comme ça tu... C'est fait. Voilà, super. Comme ça tu peux aller chercher la salle des coffres maintenant. Je suis sûr que ils ont fait un système redstone, mais on n'a pas eu le temps. Bon, on s'en fiche au pire du système redstone. Et je vois leur nom.
sont tous les deux en bas. Super. Tu peux aller chez eux. Ils sont bêtes quand même parce qu'il faudra pas qu'ils restent tous les deux dans le. Attends, j'arrive. Si on perd juste deux épées en fer, c'est pas grave. Non, 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 pas en fer. D'accord. Donc je vais. La nuit commence à tomber, je vais fermer un peu de creeper. Vu qu'on a toujours pas trouvé de grotte. Bah, c'est par où que t'es passé, toi? Par où? J'ai creusé sous dans le sol. À l'arrière de leur base, il y a peut-être encore mon trou. Mais de toute façon, si tu sautes, tu vas mourir, alors n'y va pas. Mais j'ai creusé au bord du sol en sneak. Donc fais, t'as qu'à faire pareil que moi. Mais de l'autre côté de leur base, tu tomberas dans leur grotte. Donc comme ça, t'as pas de soucis à avoir. Donc je vais essayer de farmer un peu de creeper. Et j'ai peur qu'il y ait encore le lag. C'est Guillaume qui est sous terre. Et tu me dis s'il y en a un qui commence à sortir ou qui sort de sa base. Parce que faut qu'on sache hein, si ils attaquent. Creeper. Il y en a un autre qui est de l'autre côté, hein, je l'ai vu, vous en faites pas. Crève, zombie! Ah oui, il y a ton trou. Non, je lag. Oh là. Ton trou, il mène où? Ils mènent dans leur grotte, mais si tu tombes, tu risques de perdre des points de vie. Bon, au pire, tu t'en fiches. Ils vont pas te remarquer. Tu restes en sneak pour ils me verront. Quoi? Ils me verront ou pas? Si tu tombes, non. Si tu restes en sneak en tombant. Faut que tu relâches juste quelques secondes, mais ils vont pas te voir. Eh, hey, mais y a un squelette buggé là. J'ai un squelette buggé en face de moi qui est là depuis. Non, je pète Pearly. Non, t'as pas le droit de coup d'épée. T'as le droit de péter leur truc que à la TNT. Et leur lit, si j'ai le droit. Non, pas le droit. Ah bon? Non, y'a pas le droit. Désolé de te le dire. Putain, j'ai plus qu'un cœur. J'ai plus qu'un cœur. Cette saleté d'araignée va m'avoir. Cette saleté d'araignée m'a eu. Au pire, deux épées en fer. Oh non. J'y retourne. Oh, c'est bon, au pire. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Non, mais oh, tu vas me parler autrement, toi. Je te rejoins. Ah. Je vais juste chercher le stuff. Leur poser dans la salle des coffres. Ils ont fait un labyrinthe aussi. J'arrive, hein, je viens. J'ai dit, ce serait trop drôle qu'on gagne comme ça. Non, 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 bah tu te mets en sneak tout le temps alors. Ouais, t'inquiète. Elle va falloir. Ah, par contre, je sais pas si. Non, j'allais dire de la merde. Faudra juste qu'on essaye de regarder à peu près où est le temps avant de descendre. Parce que si on est tous les quatre en grotte, on va jamais remarquer quand est-ce que le jour tombera. J'ai vu du charbon là. C'est par la merde. Je me suis gouré de sens. T'es toujours en sneak, hein. Tu t'enlèves jamais du sneak. Mais là, je suis chez nous. Ah oui. J'ai toujours pas récupéré le stuff, j'étais perdu dans mon labyrinthe. En fait, je suis tombé dans une impasse. Tu t'en fiches. Ah, oh, fais gaffe, il va apparaître pas loin de toi. Oui, oui. Donc, okay. Cache-toi dans un coin le temps qu'il descende. Je suis caché. Mince. De toute façon, je suis dans une impasse, donc il aura pas l'idée de venir. On est à l'épisode combien là? Le 6 ou le 7? Ah, je les vois, ils sont tous les deux à côté. Ils sont tous les deux rentrés. Oh, j'avais pas remarqué pendant que j'écrivais, il y a une araignée qui me tuait. Bah, dépêche-toi, retourne la voir et reprends les. Il bouge ok, pas. Merci Gigou. Et toi, l'araignée, je t'ai fait perdre des points tout à l'heure avec mon épée en fer. Donc tu vas bientôt mourir. Il y a plutôt intérêt pour toi de toute façon. Allez, viens. Viens, petite méchante. Ils bougent pas, ils sont tous les deux quelque part, ils sont tous les deux à la surface. Ils ont peut-être remarqué que t'étais pas loin. Non, non, je pense pas parce qu'ils bougent. Mon stuff est tombé là-dedans. Merde, il descend. J'ai trouvé mon stuff. Ah, je trouve pas les épées en fer, j'arrive pas à le ramasser. Ah, je trouve les épées en fer et j'arrive à ramasser mon stuff. Et c'est chaud parce que si je réussis à la trouver, Hearthstone là. Putain. Putain, j'ai un gros lag. Oh mon dieu, c'est quoi ce lag de fou? Les creepers ont pété après que je sois passé et ça a détruit pas loin de la moitié de la muraille. Oh non, 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 bah rebouche. Non, non, je plaisante. Il y a juste un petit trou sur le côté. Putain, il est juste au-dessus de moi. Ouais, bon bah. Ah non, c'est bon, j'ai récupéré le stuff. Mon dieu, what? Je rebouche. J'avais pas remarqué, en fait, c'est un peu plus boom que j'avais prévu. Un peu plus boom, pourquoi je. Faites pas attention, les gens, je suis très étrange quand j'en ai envie. Même quand j'en ai pas envie. Je vois pas le gigou, Vamel. Je vais essayer de rechercher la salle de corps. Ah, il arrive! Gigou est là! Gigou est là! Ah, cool, reste avec. Essaye de le protéger. Il a une épée en diams! Il a une épée en diams! Et il m'a tué. Il a pris deux épées en fer et une pioche en fer.
ça va. Par contre, il sait pas comment rentrer, je pense. Je crois qu'il observe juste. Parce que j'ai pas vu de TNT dans ses mains et son armure elle est à semi-complète. Bamel, il est juste au-dessus de moi, je crains. Il va fermer du creeper à côté de chez nous, le con. Oh, j'ai envie de le faire chier. Coucou Guigou, allez, je vais près des creepers. Je récupère son truc. Je récupère sa poudre de creeper. Non mais tant qu'il n'y aura pas Bamel, je pense pas qu'il va y aller. Bamel se casse. Je vais mourir près d'un cactus. Il a récupéré deux poudres de creeper. Enfin, il a tué un creeper, j'ai récupéré ses poudres. Et je vais mourir près d'un cactus comme ça. Il arrive vers moi. Ces trucs, ils vont disparaître. Oh, il est mort en sautant. Oh mon dieu, j'ai récupéré tout son stuff. Oh, GG. Non mais arrête, il est mort en sautant et en poursuivant. Et du coup, j'ai réussi à récupérer tout son stuff. Je crois qu'il y a Bamel qui va venir. Oh non, par contre, non, je vais mourir par des araignées, avec son stuff. Oui. Oh mon dieu, alléluia. Eh, tu lui dis pas de gros mots, dis-lui pas de gros mots. Ouais, mais attends, non, là je peux pas, j'ai tout son stuff par terre, je suis en train de le ramasser et je me fais courser par des mobs. Enfin, il y a des mobs partout autour de moi. Je suis bloqué dans leur. Je sais pas s'il avait de la TNT, non, il avait pas de TNT, merde. Merde, Guigou arrive. Normal, il est mort, je l'ai tué. Mais je sais, mais non, il grunt tout hard. Et j'ai 3 gunpowers, nos premières gunpowers depuis le début. On avance vite. Non, j'en avais 3 autres. Ah, oh bah c'est super ça, on peut se faire au moins une TNT. Comme je l'ai dit, on a aussi très bien. Tu levais 2 secondes, ça se trouve, il est mort. Je prends l'épée en fer pour cacher. Je sais où est leur salle des coffres, je vois leur nom. Parfait. Putain. Oh. Purée là, faut qu'ils bougent. Tu peux pas essayer de les attirer sans stuff? Attends, vous avez un. Genre, non, tu lui dis non. C'était pas un trou illégal. On l'a pas creusé dans leur base. Je lui dis non. Voilà. Ça veut dire qu'il doit avoir pas mal de trucs dans son stuff. Hein. Eh bah oui, j'ai une épée en diams, une épée en or, en fer. Bah ça, c'est celle que je lui ai donnée en mourant. Attends. J'essaie d'y aller, Guigou est reparti miner, le Bamel il est un peu plus loin. Hein. On fait tout ça en harmonie. Mais non, mais là c'est trop haute là. Parce que, oh la vache, je suis juste à côté d'eux. Depuis tout à l'heure, toi t'es dans leur base. Ils comprennent rien à ce qui leur arrive. Bon, moi je vais poser ces affaires là. Et je vais peut-être venir te rejoindre moi aussi. C'est pas grave si je me fais tuer, hein, je vais juste voir. Ouais, tu veux juste observer un peu. Comme on a tout, en plus on peut trouver leur salle des coffres, là, on s'en fout. J'ai vu leur mine elle est là, ok. Ouais, je sais, bah, je suis tombé dedans tout à l'heure. Donc je vais déposer tout dans les coffres. Et limite, s'il n'y a plus assez de place, je vais refaire un. Et puis bah, on va devoir arrêter l'épisode parce que j'ai vu que c'était bientôt le jour. Attends, on a pas trouvé un seul diams, pourtant on a 3 épées en diams. Vive Minecraft! Oh, j'étais sûr que c'était l'heure, ça déconne. Voilà, on va arrêter. Je vais te rejoindre. Enfin, je vais essayer d'avancer le plus possible. Donc, on va cutter et on se reprend, bah, pour vous, pas bientôt. Dans une semaine, je pense que ça sera. Non, peut-être 2 épisodes par semaine, on verra. Donc à plus tard, je vais y arriver. Et nous, on se dit bah, à tout de suite. Allez, avec Tim Housset. À tout de suite.